Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer mes favoris du moment. Donc voilà, donc j'en ai moins que d'habitude on va dire. Parce qu'en fait il y a des produits que j'ai encore en favori depuis mars. Et bon, comme je vous les avais déjà montrés, je me suis dit que ça ne servait à rien de vous les remontrer. Donc voilà. Donc tout d'abord un produit que beaucoup de personnes ont testé, en ont parlé, etc. Donc c'est la BB Crème de Garnier en teinte light clair. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas et il y en a beaucoup qui ont eu des boutons avec cette crème. Ben moi j'en ai pas eu, je l'utilise en ce moment, donc voilà. Après voilà, ça dépend des peaux des personnes. Voilà, sinon elle me satisfait entièrement. Juste le petit défaut que je donnerais à cette crème, ça serait qu'elle est vraiment, vraiment brillée la peau, je trouve. Elle rend pas le teint mat comme j'aime bien en fait. Donc je mets un peu de ma Mineralize Skin Finish par dessus et donc voilà, ça matifie. Mais sinon je l'aime beaucoup parce qu'elle a pas une grosse couvrance vu que c'est une crème. Et ça me va parfaitement pour le lisser, donc voilà. Deuxième produit pour le teint, donc c'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps vu que voilà, c'est un blush NARS. Donc c'est mon premier produit NARS et voilà, c'est vraiment un produit que je voulais depuis, depuis que j'ai commencé à me maquiller. C'était vraiment un produit qui me, voilà, qui me faisait rêver, donc je l'ai acheté. Donc voilà, donc c'est le Orgasm. Et il est juste trop magnifique. Donc je vous mettrai un petit aperçu ici. Parce que voilà. Voilà, c'est vraiment une couleur. Mais juste trop démente. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est une couleur juste trop magnifique. Que j'adore. Voilà. Donc pour les yeux, j'ai 3 produits. Donc tu vas... Donc tout d'abord le duo Model Co, donc que j'ai eu dans ma glossy box d'avril. Donc voilà. Donc c'est deux couleurs neutres, donc un beige et un marron. Dans ce petit duo, j'utilise que le beige parce que voilà, je ne mets toujours qu'une couleur claire sur la paupière pour aller en cours, donc pas plus. Donc voilà, mais c'est très bon fard, je trouve, ils sont bien pigmentés. Le seul point négatif serait qu'ils sont très poudreux, je trouve, par rapport à d'autres que j'ai pu tester. Mais sinon c'est un très bon produit et voilà, pour j'ai bien été contente de l'avoir dans ma glossy box parce que voilà, je l'aime énormément. Ensuite, comme deuxième produit, je sais plus si je vous l'avais montré en fait dans mes favoris de mars. Donc je vous le remonte vu que c'est vraiment un de mes favoris qui restera tout jamais dans mes favoris jusqu'à ce que je finisse. Donc c'est l'aqualiner de chez Makeup Forever en teinte noire. Voilà, qui est super bien. Je l'adore. Au début quand je l'ai acheté, vraiment je savais pas du tout m'en servir. J'étais une daube, une quiche, une tarte à la tomate, tu vois, tous ces plats, enfin bref. Voilà, ça y est, j'ai dit daube, quiche, tarte à la tomate, et maintenant je ne sais plus ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça, et tu commences à perdre la mémoire, et après tu sais plus rien. Mince. Donc troisième et dernier produit pour les yeux, c'est le mascara Le Volume de chez Chanel, qui est trop bien, hein, vu que je le mets dans mes favoris. Voilà, beaucoup d'entre nous, on va dire, tu vois, dans la YouTube-sphère, blogosphère, l'ont eu en échantillon. C'était avec, c'était sur le site Grazia, on pouvait avoir l'échantillon si on s'enregistrait dessus. Et donc je l'avais fait, je l'avais eu en échantillon, ma mère aussi. Et voilà, on l'a totalement adoré ce mascara. Mais le prix était juste rédhibitoire. Quand je suis rentrée de Paris, ma maman m'avait acheté. Donc j'étais juste trop super contente. C'est un mascara juste génial. Je l'adore, j'utilise tous les jours. Voilà. Pour les lèvres, je mets pas grand chose en ce moment. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un crayon à lèvres de chez Kiko. Parce qu'ils sont en ce moment à 1,90€. Donc je trouvais que c'était vraiment le moment
en acheter un. Et là, je me suis laissée tenter par cette couleur parce qu'elle est vraiment très jolie. Et j'aime bien mettre juste du crayon et tout combler parce que ça fait un effet mat, ça tient. Donc voilà, c'est un peu dans l'équilibre de mettre que du crayon, tu vois. C'est la teinte 502. Et c'est un très beau corail rosé. Juste sublime. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Après, pour la tenue, je trouve que ça tient bien. Il doit y en avoir qui tiennent mieux, c'est sûr, hein. Mais pour le prix, ça me va largement. Dernier produit make-up, on va dire, c'est un vernis à ongles que j'ai eu à 2,50€ parce qu'en ce moment ils sont à 2,50€. Donc c'est le 372 et c'est un nude super joli. Je le porte actuellement. Et je trouve vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc voilà. Vraiment joli, il rend les ongles propres, voilà, et en une couche il est opaque, donc en deux c'est juste une tuerie, hein, c'est super opaque, et voilà, et ça faisait depuis 10 000 ans que je cherchais un nude opaque à la première couche, et j'en avais jamais trouvé, et là je l'ai enfin trouvé, et je crois que je le lâcherai plus, parce que voilà. Ensuite, un produit un peu banal on va dire, mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'aimais bien l'odeur en fait, c'était juste pour l'odeur. Donc c'est le Axe for Hair, voilà, donc c'est l'axe pour les filles, les femmes. Et voilà, je vous le montre juste parce que j'aime bien l'odeur. Donc voilà. Dernier produit dont je voulais vous parler et dont je trouve qu'on parle pas énormément sur YouTube, c'est l'épilation. Oui, oui, l'épilation. Voilà, donc on sait très bien que les filles en hiver passent en mode gorille. Et donc en été, on a envie de s'enlever la carapace gorille pour arriver en je sais pas quoi, capa de poil, tu vois. Le cire, donc c'est les vite maillot et sel, voilà, pour poils courts, à la vitamine E et huile d'amande douce, pour peau sensible. Donc ça c'est pour le maillot et les aisselles. Voilà, elles sont très bien je trouve, moi en deux passages c'est bon, donc voilà, le seul inconvénient c'est ça, les lingettes finition parfaites sont trop huilées, c'est un truc de malade, je déteste l'huile. Et là, vraiment, c'en est trop pour moi. Il y a vraiment trop d'huile. Je les aime beaucoup, je vous les recommande. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour les maillots et sel. Pour les jambes, j'en ai pas. Parce qu'en fait, moi, j'utilise le Roll-On Easy Wax, je crois, de Vite. Donc c'est le Roll-On comme chez l'esthéticienne. Donc voilà. Par contre, il faut le faire chauffer super longtemps avant de vous épiler parce que sinon la cire n'est pas assez chaude. Mais sinon, je trouve que ça marche vraiment très bien et que c'est un bon investissement. Voilà, en plus, c'est pas très très cher, donc voilà, c'est un très bon produit que je vous recommande aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop ennuyante, etc. Que la luminosité sera assez bonne. Et voilà, donc j'espère que des produits vous ont, enfin, que cette vidéo vous aura servi et que des produits vous auront intéressé dans ce que je vous ai montré. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.